Et c'est clairement le joueur qui symbolise le plus notre équipe depuis, il se fait 10 ans, plus de 10 ans. Ça a été notre capitaine pendant des années, il est incontournable vraiment. Le lieu, je l'avais en tête parce qu'à la base, je voulais faire le rideau. Et du coup, c'est Guy, le patron de l'Inattendu, qui a aimé le projet, qui a fait en sorte que ce soit possible. Et du coup, je suis super content parce que du coup, c'est à côté du cours Étienne d'Orbe, donc un endroit vraiment, vraiment central, à côté de ce superbe escalier. J'apprécie que la peinture se trouve dans un endroit qui est déjà esthétiquement intéressant. Il y a plusieurs perspectives, tu l'as maintenant là en plongée. Et ouais, c'est super. Très content de ça. Ouais. Voilà, parce que là, il est plus clair. Et là, on a eu plusieurs personnes qui m'ont donné des conseils. Oui, arrondis un peu la pommette. Oui, l'œil. Voilà. Vous voyez, il suffit d'une touche. Hein. Et au final, c'est des regards extérieurs qui font du bien parce que, comme je te dis, à force de regarder toujours la même image, il y a des moments où tu n'arrives plus trop à faire la part des choses. Avec Mandanda, c'est très beau, il a bien fait en plus, vraiment, ça reflète bien Marseille. On est très fiers d'avoir une image d'un club de foot qu'on adore. Et sur les murs de notre restaurant, c'est franchement, c'est du plaisir pour nous. Steve Mandanda, j'étais parti un peu autour de la sagesse. Et puis je me suis arrêté sur le flegme. Quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par ses émotions, qui est toujours serein, calme. C'est pour ça d'ailleurs que c'était un bon capitaine, quoi, qui ne sort jamais de ses gonds, il reste toujours très professionnel. Et déjà, je lui fais un corps de panthère. Il est en tailleur, en lévitation. Voilà, comme une espèce de dieu désert. Du coup, voilà, il y a le côté aérien, le flegme, et comme ça, j'englobe un peu. Tout ce que Steve Mandanda m'inspire. Ouais. Quand on commence, il faut aller jusqu'au bout. C'est pas évident. C'est assez dur de garder sa concentration pendant 4 heures. Puis surtout en fixant son regard constamment sur sa peinture, il y a parfois un peu des choses qui nous échappent. C'est en fait la rue, c'est ça quoi. Quand tu commences, tu vas au bout. Il n'y a pas de deuxième session. Très très ressemblant, c'est un phénomène le mec, hein. Il s'appelle comment? Steve Mandanda. Non, ah pardon.